Madame, monsieur, bonsoir. Notre invité est titulaire d'une maîtrise appliquée en criminologie, obtenue ici même à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la bibliothèque centrale. C'était en 2004. Elle a travaillé premièrement dans une agence de communication, puis dans une société de téléphonie mobile, avant de se laisser gagner par la passion du cinéma, cinéma dans lequel son époux, il travaille cinéma ivoirien, africain, cinéma international, on va le dire ainsi. Pour l'époux, elle écrit en 2009 le scénario du film à succès « Et si Dieu n'existait pas ?» Surfant donc sur la vague de l'engouement et de la passion, elle remet le couvert en 2014 avec le second volet « Et si Dieu n'existait pas ?» 2. En 2017, lors d'une conversation entre son époux et elle, son époux décide de marquer le coup à cause de l'intérêt et de l'engouement que les jeunes filles ont pour lui. Engouement à cause de la carrière fulgurante qu'il a, du talent extraordinaire qu'il démontre lors de ses apparitions au cinéma. Et il demande à sa chère et tendre épouse de marquer le coup. Quelque chose qui puisse parler, une thématique qui touche et qui pourrait faire changer les choses. De là sort cette œuvre. Camissa, œuvre, livre, mais également un film. Victoire Kalou, bonsoir. Bonsoir Christelle. Victoire Kalou n'était pas très télévision avant. Elle ne l'est toujours pas d'ailleurs. Très réservée dans le backstage, on va dire ainsi, en arrière-plan. C'est ça. Et laissant donc Kalou, Guy Kalou, que tout le monde connaît, être au devant de la chose. Mais pour les besoins, au cours de cette conversation, il y a une demande express qui est faite. Exactement. Donc, effectivement, il me demande d'écrire un scénario sur les grossesses en milieu scolaire parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a envie de retourner à ses nombreux fans dans la gente féminine quelque chose. Donc, il se dit pourquoi ne pas combattre avec elles à leur côté ce phénomène qui gangrène le milieu scolaire. Et donc, il me demande un scénario. J'écris le scénario, je le lui remets. Et puis, à la fin, je me dis, c'est pas suffisant. Parce que quand je finis de prendre connaissance du drame qui se joue dans les écoles, dans les familles les et tout, je me dis un film, c'est pas suffisant. Et puis, il est question d'éducation. On parle de milieu scolaire, donc quoi de mieux qu'un livre pour passer une information. Déjà, ça sera une invitation à la lecture de nos jeunes adolescents qui de plus en plus délaissent la lecture. Et puis, en même temps, un moyen de sensibilisation sur ce phénomène qui est un danger pour eux. Alors, comment on arrive à trouver... On parle là des grossesses en milieu scolaire. La thématique, elle est touchante. Oui. On se sent concerné. Mais comment vous arrivez à trouver la trame, le fil? Alors, ça vient comment? À quel moment j'ai la trame? Disons que j'ai la trame quand je finis de faire les recherches sur le phénomène. Et là, tout de suite, j'ai la trame d'une histoire. D'où ça me vient, je ne saurais le dire. On va peut-être dire que c'est Dieu ou c'est un don, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai la trame, j'ai la colonne vertébrale de mon histoire. Et c'est quand je me mets à écrire que je commence à habiller au fil du temps. Alors, entrons dans le vif de notre sujet. Oui. Déjà, le titre est très... Enfin, le titre interpelle. D'accord. Parce que ce n'est pas un nom qu'on a l'habitude d'entendre, oui, oui. Camissa. Oui. C'est beau. Oui. Et en même temps, ça amène à la compassion. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est beau, mais en même temps, ça amène à la compassion. Alors, ça nous vient de quelle langue de... Alors, on doit certainement partager les mêmes sensibilités parce que... Effectivement, ce prénom, je l'ai entendu quand j'étais en entreprise. Il y avait une de mes collaboratrices qui le portait. Et puis, je lui ai demandé ce que ça voulait dire parce que ça, j'aimais bien. C'est pas commun, comme tu le dis. En même temps, ça rêvait quelque chose. Donc, elle me dit, elle est Sénoufo. Elle me dit que c'est c'est son grand-père qui lui a donné ce prénom et que ça signifierait grande dame. Je me renseigne auprès de Sénoufo. Bon. Ils sont un peu dubitatifs dessus. Mais elle me dit que c'est du très vieux, c'est nouveau et tout. Donc, ok,
je ne vais pas discuter ce que... En même temps, voilà. Ça a un lien avec votre langue. La langue. Voilà, en fait, c'est à cela que je voulais en venir. Je suis baoulée et chez moi, Kamissa, c'est quand Missa parle de mon affaire. Wow. Voilà, je pense que c'est une invite, pour moi, c'est une invite à raconter ce qui se passe, les drames que ces jeunes filles vivent dans l'école. Si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, restez connecté. Nous parlons du drame, et le mot est lâché, il faut l'utiliser, et l'utiliser à souhait. Ce drame de ces mères de 9 ans, en classe de CM2, de ces mères de 10 ans, oui. De ces mères de 12 ans, qui sont livrées à elles-mêmes et qui ne savent vraiment pas pourquoi elles sont dans cet état-là, mm-hmm. Et qu'est-ce que la vie leur réserve. Kamissa, l'histoire d'une jeune fille, bon, dont la mère décède. Exactement. Alors, il faut toujours trouver quelque chose de compliqué, c'est ça? Est-ce que toutes ces filles qui sont dans les statistiques aujourd'hui ont forcément se retrouveraient dans l'histoire de Kamissa ou on se dit c'est une... Il faut juste essayer d'agrémenter un peu. Pour beaucoup, tout part de l'environnement familial. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas. Qui crée le déclic. Voilà, sinon absent, un père absent, la pauvreté, la misère dans laquelle on vit, des jeunes filles qui sont livrées à elles-mêmes dans des villes qu'elles ne connaissent pas, elles sont obligées de... Donc l'orientation au niveau du système éducatif. Oui, voilà, ça touche aussi l'orientation, pourquoi pas, parce que bon, c'est un peu de tous ces tableaux-là que nous essayons de dépeindre dans Kamissa. Kamissa n'est pas issue d'une famille pauvre, non, Kamissa a tout pour réussir. Mm-hmm. Elle est intelligente en plus. Elle a un père qui est auditeur financier qui parcourt le monde. Malheureusement, elle perd sa mère très tôt. Donc, elle se retrouve sans mère. Mais ça, c'est la nature. On va pas mais en faire plus que ça. Sauf que le père, justement, la perte de la mère fait plonger le père. Voilà, le père, il est déséquilibré par la perte de son épouse, donc il se réfugie dans le travail, oubliant que son enfant a besoin d'un père et désormais d'une mère aussi, à travers le père. Alors justement, ça c'est la première étape, on va dire, pour certaines filles qui se retrouvent dedans. Oui. Le rôle que jouent les parents, on court après beaucoup de choses en tant que parents. On court après beaucoup de choses, les voyages, les séminaires, les symposiums. Mais en réalité, quel est le vrai but de notre vie? Je pense que cette œuvre-là, nous, en tout cas cette partie-là, nous fait nous asseoir en tant que parents et dire où je vais. Où je vais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Kamissa, c'est différents tableaux. Mmh. Donc, le tableau de la responsabilité parentale. Mmh. Effectivement, nous courons, nous cherchons, je ne sais pas trop quoi nous cherchons, mais peut-être nous courons après… De l'argent. Oui, un bien-être, voilà, pour nous, pour nos familles et tout. Mmh. Mais parfois, nous passons à côté de l'essentiel. Mmh. Et donc, nous situons la responsabilité des parents, donc Kamissa, à travers son père qui est très souvent absent. D'accord. Et donc, elle se réfugie dans une relation avec un jeune homme. Avec un jeune homme de classe, voilà, un ami de classe, auprès de qui elle va trouver ce petit réconfort, cet amour qui lui manque. Le père qu'elle attend. Voilà, parce que là, elle découvre un jeune homme qui lui accorde de l'attention. Ce qu'elle demande, c'est de l'attention. Et son père ne lui en donne pas. Donc auprès de ce jeune homme, il y a de l'attention. Et donc, puisqu'elle est adolescente, puisqu'elle ne connaît pas un certain nombre de choses, elle est ignorante de certaines choses, donc très vite, elle se laisse aller à commettre l'irréparable. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui n'auraient pas lu l'œuvre, on vous laissera juste le temps. On ne dira pas tout. Mm-hmm. Mais dans cette œuvre-là, on a la relation... Élève-élève. Mais dans la situation des grossesses en milieu scolaire, il peut y arriver où on a élève-professeur. Exactement. Élève, je ne sais pas quoi, enfin agent. Je ne vais pas citer un travail typé, pour ne pas qu'on puisse me dire pourquoi c'est nous. Voilà, on peut avoir élève-professeur, élève-agent de temps, hors dans la ville. Oui. Mais il y a toujours une relation
élève avec quelqu'un, dans le but d'avoir quelque chose, ou dans le but de rechercher quelque chose. Ici, c'était l'affection. Oui, ici, c'était l'affection. Mais ailleurs, on a d'autres raisons. Exactement. Et toujours dans Camisa, j'ai parlé de tableau tout à l'heure, on a situé la responsabilité des parents. Il y a la responsabilité du corps enseignant, parce que nous parlons de grossesse en milieu scolaire. La connotation que nous donnons à milieu scolaire donne le sentiment que la grossesse est contractée à l'école, avec les enseignants et tout. Ce n'est pas toujours le cas. Mmh. D'ailleurs, les statistiques le démontrent, la plupart des grossesses sont contractées entre la maison et l'école. Mmh. Ça dit l'environnement. Dans le cas de Camisa, c'est l'école. Dans le cas de Camisa, il y a l'école, mais il y a une autre histoire imbriquée dans Camisa. On ne va pas en parler. Voilà. Qu'ils lisent, voilà. Voilà où il y a la relation élève enseignant. Mmh. Donc ce professeur-là qui abuse un peu de son autorité, parce que qu'on le veuille ou non, à l'école, le professeur, c'est lui qui a toute autorité, les enseignants, les éducateurs. Mmh. Donc ils en abusent parfois, ce n'est pas toujours le cas. Ils en abusent et l'adolescente qui est parfois, qui a peur, peut se laisser intimider et y aller. Mmh. Ou alors, c'est ce qu'on va appeler les notes sexuellement transmissible, des adolescents qui échangent des relations sexuelles contre des notes. Alors, deux questions avant de laisser venir le professeur. À quel moment la barrière s'est brisée? À quel moment le professeur ne voit plus l'élève comme étant l'élève, mais comme la femme? Oui. Est-ce que la disparition des internats y est pour beaucoup? On répond à la première question déjà. D'accord. Donc, je disais que les responsabilités sont partagées parce que parfois, ce sont les élèves qui provoquent. Comment? Voilà. Ben, elles sont aguicheuses. On le verra avec Sandra. Donc, exactement. Camisa, elles sont aguicheuses. Mais à une époque, cherchent... dans ce pays, on avait des codes vestimentaires. Oui. C'est vrai qu'on appelait les jupes pour de yaourt, mais bon. En même temps, dans le pot de yaourt. Aujourd'hui, bon, j'ai l'impression, enfin, on va dire que ce qu'on constate, c'est que... Ce qu'on voit en ville. Voilà, les différentes écoles ont leur mode de fonctionnement, ont leur règlement. Le règlement n'est plus le même pour tout le monde. Mmh. Voilà. Donc, il y a des écoles où chacun met son... Donc, il y a la provocation. Donc, il y a la provocation. Et puis, il y a l'intimidation que le professeur peut donner. Maintenant, est-ce que vous pensez que la disparition des internats... Des internats. Peut-être que oui, un petit peu quand même, parce que dans les internats, il y avait la séparation. Voilà. Il y avait un lieu où dormir. Déjà. Exactement. Et puis, il y avait cette rigueur quand même avec les internats dans le temps. Ça n'enlève en rien ou bien… C'est vrai, il y avait toujours des personnes qui faisaient comme ça. Voilà, il y avait les brebis galeuses. Oui, les jumpeuses, comme on dit, pour sauter la clôture. Effectivement, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Les chiffres n'étaient pas aussi alarmants. Non, aujourd'hui, les chiffres… crimpe, mais que ça crimpe quoi. Pour l'année écoulée, nous étions à quoi? Autour de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire. Non, mais c'est alarmant, ça interpelle et il nous faut réagir, il nous faut faire quelque chose. Et c'est tout le monde, c'est les enseignants, c'est les parents, c'est les élèves eux-mêmes, c'est la société, les décideurs, parce que ce sont eux qui situent le cadre de l'encadrement. Donc, c'est tout le monde qui doit faire corps autour de l'enfant pour lui enseigner une responsabilité sexuelle. Merci. Le mot est lâché, la responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité? Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Et quand ils partent à l'école, qu'est-ce qu'ils apprennent et qu'est-ce qui doit devenir demain? Je pense qu'on on a essayé de mettre un peu les choses à plat. Mm-hmm. On va laisser venir maintenant le cher maître. Il arrive. De Madame Victoire Kalou. Mm-hmm. Alors, j'ai vu le film et là, j'ai lu l'œuvre. Et finalement, je me demande, est-ce qu'il n'est pas trop facile, madame, de tirer sur tout le monde à la fois? Alors, facilité. Alors, vous tirez sur les élèves, vous tirez sur les enseignants, vous tirez sur la société, vous tirez sur les docteurs. Finalement, j'ai l'impression que vous avez envie de ne pas vous faire taper dessus en passant tout le monde, en partageant le coup, de sorte à dire, je n'ai indexé personne, j'indexe tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir en avant, madame? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Sur quoi je m'appuie pour tirer sur tout le monde en griffe, comme vous le dites? C'est sur les statistiques.
Voilà, c'est sur les recherches que nous faisons et nous nous rendons compte que les responsabilités effectivement sont partagées. Finalement, c'est l'école qui est l'institution, oui, qui est mise en cause ici. Alors madame, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en demande un peu trop à l'école lorsqu'il est… Aujourd'hui, on n'a plus de dictée à l'école. Oui. Alors Christelle a dit tout à l'heure, on n'a plus d'internat. Mmh. Finalement, dans un ensemble de disciplines, on n'en compose que dans quelques-unes aux examens. Mmh. Et puis finalement, l'école, les uniformes scolaires, oui, c'est laissé au choix des établissements. Des établissements. Et puis, l'une des choses les plus importantes dans l'école, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de laisser-aller, un air de renouveau. Alors, est-ce qu'on en demande pas un peu trop à l'école? Est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer sur une institution qui a déjà de meilleure partie avec son positionnement? Alors, est-ce qu'on va… Et nous, j'allais dire, on ne redouble pratiquement plus dans les écoles aujourd'hui. Bon. Je pense que vous répondez un peu en même temps à votre question, parce que s'il y a toutes ces failles, donc il faut bien que quelqu'un réagisse. Il faut bien que l'école réagisse. Et derrière l'école, c'est les décideurs. Donc, ah, mais justement, au niveau des décideurs, alors Nakami, ça vous pose un double problème. Oui. Vous posez un problème qui est à la fois personnel et familial, parce que notre personnage est dans une famille qui est déstructurée. Et pour poser un problème institutionnel, une école qui va un peu à volo. Oui. Et la seule réponse que vous donnez est l'institutionnelle. Mais là encore, il ne me satisfait pas parce que vous faites prendre un décret par l'Assemblée nationale, pour aller un peu contre les grossesses en milieu scolaire. D'accord. Oui. Mais ce décret, est-ce qu'il touche vraiment l'école? Est-ce qu'il arrange l'école ou bien c'est une loi qui va au-delà? Alors, votre question. Parce que ce n'est pas un décret d'organisation de l'école, en fait. Vous ne restructurez pas l'école. Non. Vous sanctionnez plutôt. Je ne verrai pas ça comme une sanction. D'accord. C'est-à-dire, c'est une proposition de solution. Camisa vient donner des causes d'un phénomène. Et en même temps, Camisa propose une solution. Et pour nous, la solution. Camisa, c'est le livre, pas le personnage. Oui. Non, Camisa, c'est le livre. D'accord. Quand je dis Camisa, je parle du livre, du projet, si vous voulez, d'accord, le livre. Et donc, Camisa vient dire, voilà les problèmes que nous avons vus. Mmh. Voilà. Et pour solutionner, enfin, pour aider à solutionner, parce qu'on ne peut pas être la solution. C'est ça. Pour aider à solutionner, nous proposons que dans le programme scolaire soit établi désormais une matière à part entière qui parle de sexualité. Alors, pourquoi? Alors ça, c'est déjà le rôle de ce qu'on appelle ECM. Est-ce que c'est aussi pas, actif? Non, c'est pas très approfondi. Nous survolons avec l'ECM. Alors, si vous voulez approfondir l'ECM avec la sexualité à l'école, il y a déjà un grand débat en hexagone sur l'entrée de ces matières dans les petites classes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de poser un peu la souris avant le bœuf? Mais non, justement, ce n'est pas dans les petites classes. Nous, on tient compte de notre réalité culturelle. Voilà, ce n'est pas au CP qu'on va parler de sexualité. Le débat en hexagone n'est-il pas sur la quintessence même du projet? Le débat en hexagone porte d'abord sur la discipline et puis sur le niveau auquel on enseigne. Parce que j'ai vu quelques extraits, ce n'est pas très applicable. Oui. Donc c'est déjà quelque chose qui commence. Mais souvent, comme nous sommes un peu contaminés par les débats en hexagone, est-ce que vous n'êtes pas en train de poser le débat avant cours? Oh, en fait, Camisa est sorti bien avant que ce projet soit du coup. Combien de temps quand même? Oui, c'est vrai qu'on va parler de coïncidence certainement, parce que Camisa était déjà sorti quand on a entendu parler. Alors, l'une des questions que je me pose, madame, quand je lis votre œuvre, est-ce que vous n'en rajoutez pas un peu trop? Alors, parce que finalement, cette question des grossesses en milieu scolaire, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas récente. Du tout. Elle se pose, chaque année elle se repose. Oui. Et les solutions viennent. Mais est-ce que vous n'ajoutez pas un peu trop à la peur des jeunes filles? Les solutions, quand vous parlez de solutions, je suis un peu inquiète parce que les statistiques sont là. Ah oui, les campagnes du ministère, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, les campagnes sont faites. Mais en fait, quel est l'impact? Voilà. Nous, c'est parce que nous constatons que le phénomène, il stagne. Parce qu'il n'a pas, regressé. Pas il n'a peut-être pas évolué considérablement, mais il n'a pas regressé. D'accord. Il stagne. Donc, nous venons contribuer à ce que déjà fait le ministère de l'Éducation nationale. Dans votre contribution, justement, vous ne parlez pas assez du rôle de la famille. Parce que la solution que vous semblez apporter, elle est institutionnelle. Alors, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas là le vrai problème, M. Poupou? En fait, la solution que nous apportons pour l'éducation, pour insérer l'éducation sexuelle à l'école, ce n'est pas que du ressort de
de l'institution scolaire. Ce n'est pas que de son ressort. C'est une collaboration. Si c'est mis en œuvre, c'est une collaboration qui va se faire entre parents et enseignants. Qu'est-ce que M. Poku aurait dû faire dans ce cas et qu'il n'a pas fait ? M. Poku, déjà, il aurait dû, en tant qu'adulte, ne pas se laisser enfermer dans la peine qu'il a reçue de la perte de sa femme. Parce que c'est un adulte, il doit pouvoir ressortir, il doit pouvoir surmonter. Ça, il a déjà péché à ce niveau. D'accord. Et ensuite, il a élevé comme une barrière entre lui et sa fille. Parce que quand on lit l'histoire, on comprend bien que par le passé, il était proche de sa fille. Oui. Mais elle-même, elle le dit après, il y a comme un mur désormais entre mon père et moi. Alors moi, justement, moi j'ai l'impression que vous placez Camissa dans un départ qui est bucolique. Et, alors, elle a un père qui lui donne tout. Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut donner d'enfant pour réussir finalement? Et que M. Poku n'a pas donné parce qu'il était présent, mais il est assommé par le travail. Oui. Donc, il a des charges professionnelles. Exactement. Qu'est-ce que vous en faites, les charges professionnelles? Alors, et qui contribue au bien-être de la famille. Exactement. Qui contribue, le mot aussi est lâché, qui contribue, qui ne font pas le bien-être de la famille. Bon, on ne va pas définir les proportions, mais quand même, pour le niveau de vie que vous donnez à Camissa, oui. Il faut à M. Poku beaucoup de travail. Oui, en fait, principalement, de quoi a besoin un enfant? D'accord. Un enfant n'a pas principalement besoin d'argent pour grandir. Mmh. Il a besoin d'amour. Mmh. Il a besoin d'un environnement équilibré. D'accord. Voilà ce que M. Poku devrait d'abord offrir à son enfant. Justement, est-ce que vous ne pouviez pas, au lieu de passer par la solution institutionnelle, donner tranquillement en tant qu'écrivaine, oui. Madame, une autre épouse à M. Kofi. C'est tellement facile. Bon, là, je pense que c'est la solution masculine, ça, rapidement. Docteur, ah, franchement, oui. Là, je m'érige. Oui, non, moi, je pense que finalement, c'est ça la solution. Parce que finalement, oui, on a envie de réécrire le texte chez les spectateurs. Alors, le problème est posé, l'institution scolaire fait défaut, la famille fait défaut. On donne une solution à l'institution scolaire, mais on ne dit rien pour la famille. La famille, vous en restez au stade des critiques. Vous n'osez pas, madame, faire quelque chose. Apporter une deuxième femme. Penser qu'une femme, une autre femme aurait solutionné, je ne crois pas. Pourquoi? Je vous dis que je ne crois pas. Parce qu'il y avait une autre femme. Vous le laissez célibataire. Là. Oui, qu'il reste célibataire, il est mieux comme ça. Il y avait une autre femme. C'est pas encore plus grave après. Et c'était sa sœur qui vivait avec eux depuis le décès de son épouse. Mm-hmm. Donc, il y avait une femme dans la maison. Il y avait une présence féminine. Il y avait une présence féminine. Sauf que cette présence féminine était absente. D'accord. Elle aussi. Oui, mais parce qu'elle n'est pas abstraite, madame, n'est-ce pas, aux charges conjugales. Oh, en fait, quand elle décide, après un accord, de venir élire domicile là, chez les Poku, désormais, elle a en charge l'éducation de la jeune enfant. Madame, avant de finir, je souhaite qu'on revienne sur l'une des corporations, n'est-ce pas, dans le microcosme économique, plutôt scolaire. Mmh. Alors, monsieur Lamine, pourquoi est-ce que vous les rendez si ringard, si rétrograde vis-à-vis des règles, même si c'est lui qui prend l'initiative, vous avez fait un personnage austère. Oui, bon, on va dire que c'est le petit. Vous galvaudez côté... un peu le rôle de l'éducateur. Parce que là, finalement, c'est vrai qu'il porte, mais le mec, le monsieur, chers amis, dans le livre, mais on n'a pas envie de le rencontrer. Bon, je pense qu'on a voulu créer un paradoxe. C'était fait exprès. C'est fait exprès. Un paradoxe entre le personnage dans sa morphologie et puis le personnage dans sa vision, dans son comportement. Okay. Voilà, pour dire que il ne faut pas toujours aussi attribuer à quelqu'un un certain comportement sur la base de son apparence. Là, dans ce cas-là, vous portez trop de combats en même temps. Mais bon, voilà, c'est ça Camissa, en fait. Parce que même dans le film, vous avez l'éducateur, M. Lamine, qui est grand, beau, mais dont la calvitie, alors le problème, voilà, c'est que la calvitie est amenée aux hommes, n'est-ce pas, pour les rendre un peu humble. Vous exagérez sur la calvitie. Elle est massive, madame. Bon, là, ça relève un peu de... Docteur, j'ai l'impression que vous sentez touché personnellement. Bon, j'ai bien l'impression que le docteur... C'est vrai que l'impression, madame. D'accord. Okay, alors, je pense que au total, docteur Dieng. Au total, oui. C'est vrai que vous avez assené l'invité. Ah oui. Parce que le livre, je l'ai vu dans tous les sens. Livre et film. Livre et film à la fois. Ça peut peut-être donner lieu après à des sketchs.
et à des émissions Claire Taïp promeut, etc. Mais somme toute, je pense, pour avoir vu le film, pour avoir parcouru finalement le livre, que c'est une manière très originale de poser le problème. Et certainement, on ne donne pas toutes les réponses. On continue à questionner. Dans la question philosophique, questionner est sans doute plus important que donner des réponses. Parce que les réponses, elles sont particulières et elles dépendent des environnements. Moi, je dis bravo, c'est un livre, qu'on doit lire. C'est un film qu'il faut voir, surtout dans les lycées où il y a les filles. Mais il y a les lycées pour filles, j'espère que c'est ouvert. Oui, normalement, bon, c'est un peu peut-être l'erreur de lecture qu'on fait. On pense que Camisa n'est adressée qu'aux jeunes filles. Je sais même qu'il y a des corporations qui ont eu, n'est-ce pas, des projections privées ce film. Oui. Mais Camisa, on voit les têtes ici, en tout cas. Camisa, oui. Camisa est adressée principalement à la jeune fille parce que c'est elle qui paye le plus lourd tribut à ce phénomène. Mais Camisa aussi est adressée aux jeunes garçons parce que les grossesses, on ne les contracte pas seules. Bien sûr. Et surtout, un questionnement au niveau des parents. Que cherchons-nous? Et pour qui le cherchons-nous? Qu'apprenons-nous à nos enfants? Aller à l'école, avoir des diplômes, à gagner de l'argent ou à connaître les vraies valeurs de la vie, dont la responsabilité, le courage, la vérité, grandir et aller au succès? Nous vous proposons ce livre, Camisa, et nous vous proposons l'œuvre. Et si vous voulez avoir, pourquoi pas, des projections privées, ce sera aussi possible, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous avez un site internet On peut rentrer en contact avec mon époux, déjà, via sa page Facebook. Guy Calou, voilà. Voilà, le reste va se gérer en coulisses. Rapidement. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est fut un honneur et un privilège pour nous. Nos amitiés à monsieur Guy Calou, docteur Jay, merci beaucoup. Merci. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission de Entre les lignes. Allez, au revoir et portez-vous bien. Merci.